vous prie de vous lever pour chanter le refrain de l'hymne national. Chère patrie, quelles sont vos premières impressions? Non, mais je suis content de découvrir surtout ce côté de la Suisse que je ne connaissais pas, Zurich et Berne, Genève et Lausanne et tout le reste, je connaissais. Mais je suis content de découvrir cette partie alémanique de la Suisse. Excellence, au vu de l'enthousiasme populaire, avez-vous le sentiment que votre mission est une réussite? La mission est en train de réussir, mais elle est aidée par l'attente de nos camarades, de nos compatriotes qui vivent ici et qui souhaitaient voir finir ce jour de la confirmation de l'existence réelle sur le terrain concrète de leur organe de base, de leur sous-section du parti, et puis vendredi prochain, la section, la première section, le premier bureau de la section RDPC de Suisse, et ils attendaient. Cette attente aide la mission à réussir. Excellence, vous arrivez en Europe à un moment où ce continent la vit de graves tribulations. Pour être un peu plus court, je prendrai un peu le côté de la migration de la jeunesse africaine. Oui. Quelles sont vos impressions là-dessus? Cette migration, ce que j'ai toujours pensé, c'est qu'elle était effectivement le contre-coup, le mouvement de retour d'un déferlement qui a précédé celui des mouvements de colonisation, d'occupation de l'Afrique. Et comme le mouvement de la marée montante, marée descendante, c'est le retour. Moi, je crois que c'est la conséquence parce que qu'est-ce qui est resté dans la tête des Africains? C'est que le Nord, les pays du Nord, l'Europe, était le paradis. Eh bien, voilà, on a voulu même parfois nous faire considérer que tout était beau là-haut, n'est-ce pas? Et qu'il fallait parfois prendre la nationalité, il fallait s'assimiler. Il y a eu la doctrine de l'assimilation en ce qui concerne notamment la France. Qu'est-ce que vous voulez? Assimilation, tout est beau là-bas. Et puis, c'est le retour. Enfin, c'est une explication un peu lointaine pour penser, vous me direz, elle est un peu philosophique. Mais c'est la réalité, c'est le va-et-vient, c'est le boomerang. En d'autres termes, les dirigeants africains que vous êtes, appréciez ce déplacement de la jeunesse là, africaine vers l'Europe? Oui, c'est-à-dire en fait aujourd'hui je constate, ma première réaction est un constat froid. Je dis, ben ça, c'est un mouvement déclenché longtemps avant par un premier mouvement. Et ça, c'est le retour. Maintenant, la deuxième question, est-ce que c'est bien pour la jeunesse africaine? Évidemment, non. Nous aimerions que cette jeunesse trouve sur place ce qu'elle va chercher ailleurs, n'est-ce pas? Voilà, justement, en y revenant, Excellence, quel est le poids de la diaspora camerounaise dans l'économie, enfin la diaspora camerounaise dans l'économie de votre pays? Alors, ce poids est attendu. Nous vivons un moment où, effectivement, tous nos discours, d'ailleurs, moi-même, il n'y a pas longtemps, pendant la phase française de cette mission, j'ai dit à quelques-uns de mes compatriotes qui vivent là-bas que je n'imagine pas qu'ils continuent de penser qu'ils prennent leur retraite là où ils sont, en Europe, en France. Il faut qu'ils envisagent ceux qui travaillent, parce que beaucoup travaillent, ils gagnent leur vie, ils sont dans le
les entreprises et ils ont des idées, des projets d'entreprise, d'entrepreneurs. Il faut qu'ils pensent à le réaliser sur leur propre terrain en Afrique, n'est-ce pas? Je crois qu'effectivement, c'est le moment. Le Cameroun, vous parlez de lui, puisque c'est sur lui que vous m'interrogez, la diaspora camerounaise est en train de bouger en ce moment. C'est-à-dire qu'elle n'a encore rien fait par rapport à cette question. Et elle découvre, je crois qu'elle est consciente de plus en plus. Et au niveau au Cameroun, le gouvernement est conscient de cela et qui tâche maintenant d'ouvrir des ventes, de faciliter, d'ouvrir des facilités au retour en termes de création d'entreprises, de facilitation, comme pour tous les investisseurs. Excellent, vous parlez de retour au moment même où une organisation nébuleuse comme Boko Haram essaie quand même de semer le désordre dans ce coin de l'Afrique. Là. On a appris tout récemment l'envoi de 300 soldats américains aux États-Unis et au Cameroun. N'est-ce pas là un sentiment d'échec pour les armées africaines qui combattent déjà sur place? Non, le Cameroun fait non, justement, ce n'est pas l'échec. Je crois que les Américains eux-mêmes, comme tous les autres, reconnaissent la solidité, la validité de l'armée camerounaise, pour ne parler que du Cameroun, ainsi que des armées des pays environnants. Mais en ce qui concerne l'armée camerounaise, elle a fait son job quand, effectivement, la forme de l'attaque était contrôlable. Maintenant, les Américains et les Français et les autres qui viennent dans la logique de cette guerre asymétrique ou de kamikaze, qui n'est plus la vraie guerre, qui n'est pas la vraie guerre, n'est-ce pas? Et là, on a besoin d'informations, de renseignements et de tous ces instruments, ces moyens technologiques qu'ils ont développés, qui peuvent aider maintenant les armées africaines, les gouvernements africains à contrôler l'arrivée des terroristes, parce que finalement, leur forme d'action est une forme d'action de terroristes, ce n'est plus. Qui viennent, produisent d'un coup, kamikaze sur le marché, kamikaze des églises, s'en vont, là, sans qu'on puisse prévoir à quel moment ils viendraient. La présence des Américains, ce n'est pas pour remplacer l'armée camerounaise. Les effectifs sont limités, mais c'est surtout au plan technologique pour anticiper, voir de loin, voir venir de loin, et surtout infiltré par le renseignement, infiltré le camp de l'adversaire. Excellence, votre dernier mot, parlant des grands chantiers du Cameroun, des grands chantiers économiques de votre pays, en lançant un appel à la diaspora, votre dernier mot. Oui, c'est l'industrialisation, le grand chantier du Cameroun qui parle d'émergence. On sait que l'émergence, c'est l'industrialisation. Ça passe par l'industrialisation. Alors il faudrait qu'effectivement la diaspora songe à rentrer dans cette logique d'entrepreneuriat, à commencer par l'agriculture, parce que le dernier commis, le commis agricole de Bolova, a parlé de l'agriculture deuxième génération. Qu'est-ce que c'est que cette agriculture deuxième génération, si ce n'est l'agriculture qui demande l'apparition de cet homme qu'on appelle l'entrepreneur agricole? Et parfois, la place est ouverte à tout le monde, y compris aux hommes de la diaspora. C'est eux qui peuvent avoir une surface pour prendre des crédits dans les banques pour l'affecter à cela et pour acheter des engins, parce que l'agriculture deuxième génération suppose la mécanisation et les plus grandes exploitations. L'agriculture a été jusque-là l'exploitation familiale. Voilà un des défis. Hein. Donc, industrialisation, passant par le domaine même de l'agriculture, qui lui est invité à franchir le pas de sortir de l'exploitation familiale vers la grande exploitation industrielle. Nous avons été heureux de vous recevoir, Excellence. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon voyage. Merci. Et bon séjour en terre. Merci infiniment. Banao Nambo depuis Zurich, pour communication en ligne. Merci.